tracé un arc rampant pour Lucas. On avait un pilier ici qui fait 24 cm d'altitude. Donc il y avait 4 en briques. Donc on l'a matérialisé ici par ce tracé géométrique. À l'opposé, on a un autre jambage où on a 6 rangs de briques. Donc c'était combien, 37. Et donc au milieu, on a une portée qui faisait 97,5. Mais on a enlevé un centimètre. Oui. Donc ça nous donnait 96,4. Parce qu'il faut enlever l'épaisseur du contreplaqué cintrable qu'on va mettre de chaque côté de nos veaux. Donc là, on a fait le tracé de l'arc rampant. Donc on part de cette naissance et on arrive jusqu'à là. Le point de centre, il était par ici, là. Donc au niveau de cette naissance, la naissance haute. Et ensuite, pour tracer cet arc qui est ici, juste là, tout le long, on a pris notre point de centre qui était juste là. Voilà, à l'opposé, on fait nos deux arcs, voilà, avec deux points de centre différents pour l'arc rampant. Maintenant, l'autre étape, c'est qu'on va prendre des planches, on va les positionner sur notre tracé, on va retracer par-dessus, et ensuite, on n'aura plus qu'à les découper pour former un veau. Et une fois qu'on aura réalisé un veau, il faudra en faire un second de la même manière. Voilà. Go.